WizEven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de WizEven. Il est sapeur-pompier de profession, c'est le directeur et l'un des fondateurs du festival ODP Talence. Je reçois aujourd'hui Sébastien Lussanier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Sébastien, peux-tu nous parler du festival ODP et de sa particularité ? Notre festival, sa grande particularité, c'est qu'il est au profit de l'œuvre des pupilles et fonds d'entraide des sapeurs-pompiers de France. Il est organisé par des sapeurs-pompiers, donc au profit du monde pompier. Et c'est un festival qui allie la musique et la solidarité. Et depuis combien de temps le festival existe et combien de personnes il réunit, pendant quelle période ? Alors, cette année aurait dû être la 6e édition du festival ODP. La première édition a eu lieu en 2015. Ce festival il permet de recevoir jusqu'à 9000 personnes par soirée. Nous avons débuté par 3 soirées. Depuis 2019, nous organisons 4 soirs de festival. Donc potentiellement, c'est un festival qui peut réunir plus de 30 000 personnes. Et puis je crois qu'autour du projet, au début, vous avez eu le soutien de Cyril Lignac. Tout à fait, Cyril Lignac est un des parrains du festival, tout comme Eric Jean-Jean, qui est animateur, et très récemment, c'est Gaëtan Roussel qui a rejoint l'aventure en tant que parrain du festival. Alors, je le disais tout à l'heure, ton métier c'est sapeur-pompier. Raconte-nous comment tu arrives à marier ces deux activités, à la fois l'organisation de ce festival et ton activité professionnelle. Alors, ça commence par une épouse qui est plutôt compréhensive, et puis après, c'est un emploi du temps un peu au chausse-pied, surtout à certaines périodes. Mais c'est vrai que le festival prend beaucoup de temps, et puis après, il y a une équipe derrière tout ça, il y a tout un tas de bénévoles, un comité d'organisation qui est composé d'une soixantaine de personnes, sapeurs-pompiers ou épouses de sapeurs-pompiers, et ensuite, c'est un pool de 1000 bénévoles qui assure le montage, l'exploitation et le démontage du festival. Et j'imagine que du coup, toute la caserne est mobilisée autour de l'événement pendant quelques semaines, non ? Ah, ça va au-delà de la caserne. Aujourd'hui, c'est tous les pompiers du département qui permettent d'avoir cette ressource de bénévoles. Et depuis, on va dire même 3 ans, c'est des pompiers d'autres départements qui sont venus au départ en tant que spectateurs et qui se sont greffés au groupe d'organisation en tant que bénévoles. Bon, il ne faut pas qu'il y ait d'incendie entre le 10 et le 13 juin, si je comprends bien. Tout ça est géré, notre hiérarchie est toujours là derrière pour veiller aux graines et les secours sont toujours assurés. J'en doutais pas, c'était une petite boutade. Dans les moments forts, en préparant cet entretien, tu nous disais qu'un des moments forts c'était le sold out en 2017. Raconte-nous comment vous êtes arrivé à cette situation idéale, celle que tout le monde vise, et puis après on parlera des difficultés à l'inverse de 2019. Ben ouais, cette situation est arrivée. Bon, ben tout d'abord, on a vu que la programmation était entre guillemets bien faite pour la période. On fait une soirée avec Imani et Jane, et on a une billetterie qui démarre bien, mais qui non plus n'est pas folle. Et sur les derniers jours, ça s'affole complètement, jusqu'au moment où il faut avoir la raison et 24 heures avant dire on stoppe parce que ben voilà, on sait qu'on arrive à nos limites. Et pourquoi puis, ça s'est accéléré comme ça à la fin ? Aucune idée. Il n'y a pas eu un phénomène de communication fort sur les dernières semaines. Mais je sais pas. Est-ce qu'il y a eu un bon article qui est passé par là, qui a touché un autre public, ou des gens tout simplement qui attendaient. C'est vrai qu'on était sur un week-end où la météo était pas certaine et sur les dernières heures, ça a fini. On a vendu 1000 billets, je crois, sur l'espace de 24 ou 48 heures, et qui a fait que on a pu afficher ce guichet fermé. Et tu disais, on vous êtes posé la question de laisser un peu plus ouvert, parce que tu dis finalement on a dû revenir à la raison et tout arrêter, enfin non, en tout cas, bloquer les ventes. Non, pas plus ouvert. Enfin, c'est pas la raison. En plus, les pompiers, on serait très mal placés. Alors même si on a un site aujourd'hui qui nous permettrait de faire plus, 9000, ce sont des limites que nous nous sommes posées. Parce que mais déjà, on considère que nous sommes que des pompiers, on n'est pas non plus des spécialistes de l'organisation. Et on s'est toujours dit que on voulait garder une certaine circulation, un certain confort sur le site, et que malgré la réglementation qui nous donne droit à 3 personnes au mètre carré, ça faisait trop, et qu'il fallait, pour qu'on reste dans le confort qu'on souhaitait apporter aux festivaliers, maxi 9000 sur site. Et donc, voilà, on a dit on arrête.
Et tu le disais, vous, c'est pas votre métier, vous n'êtes pas des spécialistes, même si après 5 ans et des festivals de cette taille-là, on peut quand même être considéré comme un spécialiste. Est-ce que vous appuyez, je crois que notamment sur la programmation, vous appuyez sur Olympia Productions ou d'autres acteurs, par exemple? Tout à fait. On a, sur cette partie-là, depuis le départ, on a toujours eu un partenariat avec une production pour assurer cette partie, pour gérer le plateau, hein. Et avec Olympia Productions, donc nous travaillons main dans la main depuis maintenant 2 ans, et c'est indispensable. Et on a pu, par contre, l'année dernière, on a vécu une soirée d'annulation due à une tempête. Et il est vrai que là, on a apprécié d'être accompagné par des professionnels dans le domaine. Alors cette annulation, ça c'était sur une seule soirée, c'est ça? Tout à fait, c'est la deuxième soirée, première soirée payante du festival. Une soirée avec le retour de Nekfeu, le lendemain de la sortie de son album, qui était prévu pour être une très très grosse soirée. Et puis voilà, à midi, la tempête, déjà à 9h le matin, on a eu les premières alertes. Et à midi, voilà, les structures ont commencé à se décoller. Et on a vite vu que ça aurait été impossible d'avoir un site en état pour le soir et jouer comme c'était prévu. Et du coup, gestion des remboursements, j'imagine, avec le public. Gestion des remboursements, et là, on a pu admirer, à notre grande surprise, une soirée qui aurait dû réunir plus de 7000 personnes avec tout un dispositif. Et par magie, le soir, à l'ouverture des portes, seulement une vingtaine de personnes étaient devant les grilles, n'avaient pas eu l'info. Donc, c'est là qu'on se dit qu'aujourd'hui, avec des nouveaux outils, on a eu à faire de belles choses. Bon, la situation, donc 2019, une soirée qui est annulée, mais c'est tous les organisateurs, et notamment en extérieur. Et là, cette année, le coronavirus et les conséquences qu'on connaît. Comment vous envisagez 2021? On l'envisage difficilement. Bien sûr, il y a une grosse perte financière cette année. En revanche, voilà, on est mobilisé. On pense et on voit qu'on a certaines de nos principaux partenaires et mécènes qui maintiennent leur engagement. Donc ça, c'est plutôt rassurant pour repartir. Ils l'ont maintenu sur 2020 également? Non, de 2020, nous avons remboursé tous les partenaires, tous les prestataires. Nous avons pu bénéficier de certaines subventions qui viennent des collectivités, et pas toutes, mais ce qui a permis d'amortir la casse. Mais on va dire que ça a été quand même une année plutôt difficile. Et comment les équipes le vivent, en tout cas comment elles arrivent à se projeter sur cette édition de 2021? Il y a différents scénarios qui sont sur la table aujourd'hui? Il y a différents scénarios, oui. Alors bon, déjà, bon, il y a le financement qui a géré. Ensuite, il y a une volonté folle de tout le monde de repartir. Donc ça, c'est déjà extrêmement important. Et aujourd'hui, bien entendu, comme tout le monde, on voit ce qui se passe. On voit que ce coronavirus, on va entendre parler pendant encore quelques semaines, quelques mois. Et même si nous sommes dans l'idée d'organiser au mois de juin 2021, nous commençons à nous poser des questions sur le fait de peut-être repousser un peu plus la date. Il faut jouer, c'est impératif. Hein, il faut jouer pour notre public, pour nous, pour les prestataires avec qui nous collaborons. Il est important que tout reparte, mais il faut jouer dans de bonnes conditions. Et donc septembre nous paraît peut-être plus opportun au jour d'aujourd'hui pour être sûr de proposer une prestation de qualité et peut-être espérer des concerts sans masque. Vous êtes sur une programmation essentiellement sur des artistes français ou il y a aussi beaucoup d'artistes internationaux, ce qui complique aussi la logistique? Alors pour nous, non, c'est une fois, juste nous avons fait des internationaux, on est vraiment sur une cible française qui part même plus côté pop-rock. Donc nous n'allons pas avoir les problèmes de certains gros festivals qui jouent avec beaucoup d'artistes étrangers et où là, il y a une incertitude qui est encore plus grande pour l'année prochaine. Et l'idée était de dupliquer la programmation de 2020 sur 2021 ou bien de la repenser, de l'adapter aussi en termes de budget? Pas forcément dupliquer. S'il y a des opportunités qui peuvent se re-signer, nous le ferons. Mais aujourd'hui, on sait, il y a des artistes qui ont prolongé leur tournée, hein, qui les ont reconduites, d'autres qui ont stoppé. Donc non, c'est une programmation qui est quand même à refaire. Et on verra, je l'espère, d'ici quelques semaines, ce qu'il en ressort. Et ben, on souhaite en tout cas que tout puisse se dérouler dans les meilleures conditions. En tout cas, merci Sébastien d'avoir passé du temps avec nous et puis de nous avoir ouvert les portes du festival ODP Talents et puis de son action au
combien louable de soutenir derrière les pupilles des pompiers, les sapeurs-pompiers. Et puis on salue ton chien, qui c'était du direct, qui nous a également salué. En tout cas, merci beaucoup. À merci bientôt. À toi, merci à vous tous. Bye bye. Vous écoutiez All Access, le podcast de WizEvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements. Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple, media@wizevent.com.